et c'est ainsi que Pink et Excel entrèrent dans le temple de la Terre. Nous voilà donc au temple. Ah, c'est assez sinistre. C'est la première fois que je rentre dans un temple. Au pire, on peut très bien partir, j'ai qu'à dire au roi que j'ai pas trouvé les machins et puis voilà. Mais non, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Enfin, c'est plutôt moi qui a fait le chemin. Bref, c'est ici qu'est l'élémentaire, on est obligé de passer par là pour restaurer les paix sacrées. Oui. Oh, allez, hein, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour me sauver. Hein? C'est pour sauver la princesse Irma. Enfin, tu m'as compris. Oui, tu m'as compris. Ah bon? Tu es un garçon très intelligent. Enfin, ce temple doit être rempli de monstres. Sois prudent, gamin, inutile de jouer au héros. T'avances pas? Je vois rien, c'est tout noir. Et alors, c'est pas en attendant que ça a changé, hein. Il va falloir que tu saches que la plupart du temps, il faut tout faire soi-même. Ok, donc vas-y, descends de ma tête et marche. J'ai dit la plupart du temps, je suis l'exception. L'exception à quoi? L'exception à la règle. Oh, c'est bon, pas la peine de crier. Bref, avance, je suis avec toi. Sans blague, j'avais pas remarqué que j'avais un col vert sur la tête. Un bonnet vert. Ouais. Bon, j'y vais. De l'eau? Fais attention où tu mets les pieds. La lumière? Tu vois, si tu n'avais pas bougé, ça ne serait pas allumé. Oh, ça va. Tu sauras maintenant, j'ai toujours raison. Et par ce fait, je m'auto-proclame le savoir de ce bruit. Tu as entendu? Non, quoi? Les petites voix. Ah, une petite voix. Oui, je vois de quoi tu veux parler. Cela s'appelle une conscience. C'est tout à fait normal. Mais non, je te parle pas de ça. Et puis ma conscience n'a pas cette voix. Ça vient de derrière. On dirait bien que nous sommes repérés. Oh mon dieu, des images géantes! Mais non, c'est nous qui sommes petits comme des mâches. Aïe! C'est pas le moment! Mais c'est pas la peine de me frapper! Dépêche-toi de courir, elles sont en train de nous foncer dessus là! Ok. Oh mon dieu, elles sont en train de nous rattraper! On va prendre par la gauche! Hop! Ah, c'est bon, on les a semés. Ok, cool, mais par contre, là, il y a d'autres monstres. Je ne peux plus respirer. Pink, allez, relève-toi, petit. Si tu meurs, je vais mourir aussi. C'est pas ce que tu voudrais, quand même. Désolé. Allez, on y va. Hey, mais qu'est-ce que c'est? Pink, attrape ça. C'est un aspirapeau. Utilise-le pour dégager la... Ok. Mais ça marche. La fumée s'en va. Mais comment ça s'arrête? Avec ce bouton? Non, pas ce bouton. Mais c'est pas possible. Je sais pas comment l'arrêter. Mais je les ai aspirés. Wow, on les a plus dans les pattes, les champignons toxiques. Oui, mais ça résout pas le problème. Là, je suis en train d'aspirer tout, là. Si ça continue, c'est nous qui va aspirer. Oh non, les revoilà! De quoi? Les limaces, les revoilà! Vite, aspire-les! Ok! Voilà! Mais les murs! Je suis en train d'aspirer les briques là! Mais c'est pas vrai, tu vas tous te faire crever! Mais j'y suis pour rien, moi! Machin, il faut partir! Mais t'en fais pas, machin! Tiens! On s'en fout, courez! Sous les décombres. Je suis ici. Venez, aidez-moi à sortir de là. Ok. Ça va, l'humain? Ça peut aller. Pink, je suis là, par terre. Je peux me déplacer. Je me suis cassé la patte. Ça change pas réellement d'habitude. Il me faut un ami sur qui t'appuyer. Hein? Mais non, faut pas déconner non plus. Un transport, ça suffira. Ouais. Allez, viens, monte. Ah, je suis bien mieux sur ta tête. Ouais. Rien de cassé? À part ma patte et votre temple, non. Je suis vraiment désolé pour le temple. Oh, mais c'est pas grave, bien au contraire. Hein? Grâce à vous, j'ai plus à surveiller le temple pendant des millénaires. Maintenant, je peux m'attener à mon hobby préféré. C'est-à-dire? Contempler le temple. Hein? Oh, ça va. Ça va pas vous changer d'habitude, hein. Enfin, bref. Pink, il faut retrouver l'élément de terre, quand même. L'élément de terre? Oui. Il est là. On voit de la lumière, là, sous les décombres.
Je souffre. Je vois la lumière. Non, ne meurs pas. De toute façon, c'était un connard. Mais c'est pas des choses à dire, surtout devant un blessé. Mais je dis ce que je veux. Ne quitte pas, machin. Et je m'appelle pas machin. J'ai un nom. Alors, elle est là, la lumière. Le voilà. Vous obtenez l'élément de terre. Tous les sols sont redevenus fertiles. Machin est mort. Non. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Oh non, pas l'ancien. Hein? Faites comme si de rien n'était. Ah, d'accord. Ah, mais l'humain est là. Ah, mais l'ancien est là. Pardon? Non, rien. Avez-vous trouvé l'élémentaire? À l'instant. Parfait. Il vous faut trouver le prochain élément? Oui, il faut pas qu'on tarde, Excel. Non mais c'est bon, j'ai rien dit, moi. Si je regarde sur la carte, le plus proche serait l'élément du lac ou bien celui du marais. Vous devez aller à la montagne. Hein? T'es pas censé être mort, toi? Je te l'avais dit, c'est un connard! Tu t'es foutu de nous! Mais non, je... Pff, allez, viens, on laisse ici, c'est tout ce qui mérite! Je te suis! Mais attendez, je suis désolé. Bref, comment ça, la montagne? Oui, c'est vrai, c'est l'élément le plus loin de notre position. Regardez, nous, on est à l'est, et la montagne, elle est à l'est. Pink, c'est l'ouest. Hein? La montagne est à l'ouest. Ouais, pareil. Oui, je sais, c'est assez loin, mais parmi les trois positions disponibles, c'est le seul où vous pouvez trouver des machins. Il n'y en a pas au lac, parce qu'aucun mini-niche ne sait nager, et pour ce qui est des marais, c'est tellement moche que personne n'a envie d'y aller. C'est pas vrai? Me regardez pas comme ça, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Et donc, ces machins de la montagne? Ce sont des mignons et forgerons. Vous y rencontrerez Malta, le chef de la forge. Je suis sûr qu'il pourra vous aider. Voilà, il est temps. J'espère que vous mènerez à bien votre quête. Bonne chance. Merci. Allons-y, Pink. Ok, c'est parti. Mais on va par où? À l'ouest. Ah oui, c'est vrai. C'est là où le soleil se lève. Mais non. Le soleil se lève à l'est, et si l'ouest est opposé à l'est, c'est donc que le soleil se couche à l'ouest. Ouais, peut-être. Enfin bref, retourne à l'entrée de la souche. On va marcher plus vite si on est grand. Oui, mais non, j'ai une idée, regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas par là! Arrête! Et hop là! Un oiseau? Oui, on ira plus vite sur son dos. Allez, ya! Ah, une fois de plus, je me laisse entraîner par ce garde-fou! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.